Patrice, aujourd'hui, tu vas nous expliquer le rôle d'une styliste mode. Donc, si quelqu'un fait appel à tes services, admettons moi, je te dis, Luce, j'ai un problème, et c'est vrai, je suis toujours habillée en noir et blanc. Alors, où est-ce que ton travail commence? Moi, où ça commence, c'est que je regarde, il y a trois choses importantes. Une analyse, premièrement, de la personnalité, à qui j'ai affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est ludique, classique, enfin bref. Je regarde aussi la morphologie. Et le troisième point qui est très important, c'est les couleurs qui nous correspondent. Parce que le cerveau humain n'a aucune mémoire de la couleur. À ce moment-là, on a besoin d'un petit support qui s'appelle le nuancier de couleurs que tu gardes avec toi toujours, soit pour faire le ménage de ta garde-robe ou bien pour venir magasiner. Donc, c'est toi qui as créé ça. Exactement. Il y en a quatre, en fait. Donc, selon la couleur de cheveux et le teint de peau. Et puis ça, c'est un support extraordinaire. Moi, j'adore. Je travaille toujours avec. Aujourd'hui, tu vois, selon ta personnalité, j'ai décidé de t'amener chez Coloris parce que ça correspond exactement à toi pour ta morpho et évidemment tes couleurs. Faut faire super attention, par contre, c'est pas parce que là, c'est tes couleurs que la saison d'après va faire partie. Donc, quand ça fait pas partie de nos nuanciers, on est mieux d'oublier ça, sinon c'est une couleur qui va rester, un morceau qui va rester, un orphelin dans notre garde-robe. Tu vois, Jessie, c'est super. Je vois cette robe-là, tu vois, sur le cintre. Bon, on se dira qu'elle semble de pas grand-chose. Mmh. Ça a l'air d'un tube. Mais ça, c'est une robe qui va te convenir très, très bien. De la couleur, évidemment, soutenue du nuancier, mais aussi pour ta morphologie, ça va être impeccable. J'avoue que je n'essaierais pas ça comme ça, mais je vais te faire confiance. Parfait, super. J'ai quelque chose ici, juste ici, qui pourrait être impeccable. Regarde, encore là, sur le cintre, on se dit, ouf, pas sûr. Mais je te garantis que ça va faire un effet absolument fabuleux. Et j'ai un petit capri ici blanc pour aller avec. Ça va faire tout à fait frais pour l'été. Moi, je pense que ça fait une belle combinaison, ça. Je vais essayer ça aussi. OK. Ah, tu vois, c'est ça. Regarde la couleur, elle est magnifique. Surtout en plus avec le décolleté, ça va être absolument superbe. Donc, on va l'essayer celle-ci. Jessie, comme t'es belle, tu vois. Dans la robe bleue, elle te correspond parfaitement à ta morphologie. C'est magnifique, la couleur est parfaite pour toi. Je trouve que ça te convient. Tu vois, sur le cintre, on n'aurait rien dit, mais sur toi, ça fait tout son effet. Écoute, t'es magnifique, une petite sirène d'été. Bon, encore le bleu, ça fait ressortir tes yeux. Ça met en évidence toute ta morphologie. C'est vraiment extraordinaire. En plus, ce petit capri fait très été, c'est rafraîchissant. Tu peux porter une petite sandale très belle, blanche ou de couleur tan. À ce moment-là, ça peut se marier avec tout ce que tu as dans ta garde-robe et ça allonge évidemment la silhouette. Donc, écoute, je pense que ça, pour l'été, c'est un must. Regarde, c'est tellement beau. Tout ça, ça te va super bien. Par rapport à ta morphologie, encore une fois, on voit que la couleur, elle est absolument magnifique. Regarde, ça te donne un rouge à lèvres naturel. Ça indique que c'est une robe, c'est sûr, mais la couleur est parfaite pour toi. On peut pas demander mieux. Là, sérieusement, je suis vraiment, vraiment surprise. Ça, j'aurais jamais essayé ça. La robe bleue non plus, puis finalement, je trouve ça super beau. Ah, c'est le fun, tu vois. Ça, au moins, ça augmente ta garde-robe. Tu vas avoir le plaisir de le porter. Puis vraiment, là, ça te convenait super bien. Donc, je pense que c'est des plus. C'est-tu un peu pour ça qu'on est là, nous, les stylistes? Ouais. Là, je comprends votre rôle. Merci!